Nous sommes le 14 juillet 1789. Je m'appelle Maximilien Croche. Et si, aujourd'hui, je monte vers le gibet, c'est que j'ai voulu faire comprendre au roi la misère endurée par son peuple. Quand on approche de si près la mort, on se souvient de tant de choses. C'était une belle journée de printemps. Nous étions 12 et nous voulions changer le monde. Mot de passe. Les oisillons tueront le lion. Tu es bien jeune pour un complot de cette envergure. Dépêche-toi, Bastien. Chaque seconde compte dans ce bas monde. Je vous ai réunis pour mettre fin à toute la misère du pays. Le roi doit abolir les privilèges des nobles, baisser les taxes. Nous n'avons même plus assez d'argent pour acheter du pain. C'est vrai. J'ai vu au château les conseillers du roi le manipuler, le forçant à ignorer nos demandes. Son Altesse n'y est pour rien. Ce n'est pas un mauvais bougre, il est juste naïf. Cela ne peut plus durer. Partout dans les rues, des hommes, des femmes, des enfants crèvent de faim. Oui, Olympe, tu as raison. Il faut faire quelque chose. Baisser les impôts. Accorder plus de droits au peuple. In my country, the king was beheaded because the English population hated his politics. We can do the same. Everybody has the right to be free. We had the same problem, and we won by a revolution. In France, the population is very poor and starving. Lots of children die in the street. We must stop it and have the same rights as the aristocrats. We must show the king what will happen if he continues. And he will die and so will his family. Mes amis, du calme. Cela ne sert à rien de le répéter. Il faut passer à l'acte. Vous voulez changement? Oui. Oui. Moins impôts? Oui. Oui. La mise en place d'une constitution? Oui. Oui. Assurant pour tous l'égalité? Oui. Alors agissez. Oui. Oui. Nous sommes acteurs. Servons-nous-en. Nous pourrions monter un spectacle incitant le roi à changer de politique. Êtes-vous d'accord? Votons. Tu sais que tu es comme un frère pour moi. Je te suivrai jusque dans la mort. J'accepte. So do I, my love. Merci, mes amis. Tout d'abord, il faudra trouver un nom à notre troupe. Je propose la comédie paysanne. Ensuite, on va envoyer les invitations au roi et à la cour. Puis, l'écrire, évidemment. Bastien, pressez-vous. Allez, apportez-moi un chocolat chaud. Bien, Majesté. Rose, apportez-moi un thé. Bien, Majesté. Bastien, je n'ai pas demandé un chocolat chaud, mais un thé. Excusez-moi, Majesté, je fais au plus vite. J'espère bien. Philippe, venez! Apportez-moi un café. Oui, bien, Majesté. Rose, je n'ai pas demandé un thé, mais de jolies petites gâteries. Excusez-moi, Majesté, j'ai du mal à comprendre. C'est cela. Mais enfin, Bastien, vous êtes de vraies têtes de mule. Je vous ai rien demandé. Ah, Philippe, ah, Philippe, mettez-moi 2 sucres dans mon café. Plus vite, j'ai soif. Sortez tous. Sortez tous. Allez, oust. Dégagez. Allez, allez. Sortez. Je les ai bien eus. Je l'adore les faire tourner en bourrique.
La prochaine fois, j'irai encore plus vite. Ah, te voilà fait, Rascal. Non, non, je peux mourir. Ah, sauvez-moi, à l'aide. Ah, super Wissès. Ah, prends ça, prends ça. Ah, ils m'ont eu. Ah, bien fait. Ah non, il revit. Ah. Choiseul, monsieur de Choiseul! Que se passe-t-il? Le courtier vient d'arriver à déposer des centaines de lettres pour le mariage de ma fille. Celle que vient d'ouvrir est en anglais. Traduisez-moi. Sire, I am a handsome, strong and very clever. I am an aristocrat, un anglais, ver I have got a lot of castle. I am very jeune rousse, riche, religious, and he loves traveling. He have already been to America, France, Spain, Portugal, and Italy. Oui, c'est bon. C'est un certain aristocrate, Lord Ashwood, qui désirait épouser Marie Charlotte parce qu'il l'aime. C'est d'un ridicule. Oh. Espérons que celle-là sera plus distrayante. Oh, une invitation à la comédie paysanne. Vous voulez que je me renseigne sur vous? Oui, et vite. Majesté, je connais cette troupe. Elle est excellente. J'étais allée voir une pièce où... Et... Oui, oui, très bien. Restez à votre place. Bien, Majesté. Excusez-moi. Majesté? Oui. Vous avez la visite. Très bien. Faites entrer. Que vous faites ici? Nous vous apportons du courrier, Majesté. Encore? Pourquoi les avez-vous laissé entrer? Majesté, Ça suffit! Détendez-vous, mon ami, je vous sens très en colère. Mes pauvres petits, ils sont juste venus vous apporter quelques lettres. Regardez ces jolis dessins. Mettez-moi tout ça dans mon bureau. Chut! On commence! Tu ne crois pas que tu t'es assez fait remarquer? On recommence. 1, 2, 3 et 4. Majesté, est-ce que tout va bien? Oui, oui, très bien. Je suis en train d'améliorer ma serrure. Votre Majesté a reçu du courrier. L'une de ces missives m'a été donnée par un messager anglais. Très bien, traduisez-la moi. Oui, Majesté. Cette lettre est en rapport avec le spectacle de la comédie paysanne. Elle vous déconseille d'y aller, car elle indique un complot contre vous. Ventre bleu! C'est la 20e lettre que je reçois qui me dit de ne pas aller à ce spectacle. J'irai quand même. Faites sortir dehors toutes ces lettres et qu'on les fasse brûler. Oh!
Garde, emparez-vous de ces hommes. Ayez pitié de mes amis. Je suis à l'origine de ces manigances. Vous allez payer pour m'avoir humilié de la sorte. Puisque vous prenez si bien la défense de vos amis, vous mourrez seul. Mon père, je vous en supplie, épargnez-le. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Garde, emmenez-le. I can still love if you die. Allez les oisillons, c'est pas le moment.